Vite, il faut prévenir les autres. Ah, ils m'ont eu. On a un problème. Les robots, ils nous attaquent. Je suis rentré dans l'atelier. Ils étaient tous là, allumés. À ce que j'ai compris, ils se rebellent. Ils veulent qu'on les amène à San Francisco, au concours Robo Games. C'est pour ça que nous avons besoin de vous. Le projet Robotics est proposé aux élèves de seconde. Il allie, dans un cours en anglais, robotique, technologie, électronique et informatique. Les élèves ont l'opportunité d'aller à San Francisco, au concours Robo Games, qui regroupe plusieurs nations et leurs robots. C'est pour cela que tous les cours sont en anglais. Depuis le début de l'année, les élèves de seconde ont commencé leurs robots. Ils ont commencé par le design, la programmation, les cartes mères aussi. Ils vont créer tout de A à Z. On est encadré par les professeurs. Il y a quand même deux parties dans notre cours. La partie théorique, excusez-moi, et la partie pratique. Où là, on construit un robot. Tout ça en anglais. Bon, ça arrive qu'on comprenne rien. Comme je vous l'ai dit, nous allons participer à un tournoi. Il s'appelle Robo Games. On peut inscrire un robot, qu'il soit musicien, danseur, combattant d'arène, ou même serveur de cocktail, ou bien d'autres. Et depuis 5 ans, les élèves du lycée Colbert ont eu 22 récompenses, dont 19 en or. Les autres participants étaient des étudiants ou des passionnés de robotique, qui ont parfois plus de matériel ou moins que nous. Nous essayons de faire de notre mieux, et pour ça, nous avons besoin de vous. Mais si grâce à vous, nous partons aux USA, nous ne resterons pas que la durée du concours, qui dure que un jour ou deux. Nous resterons 2 semaines pour visiter les USA et San Francisco. Bien sûr, nous vous raconterons des photos et des vidéos sur notre blog. Voilà ce que l'on rêverait de réaliser. Mais pour cela, il nous faut de l'argent. Pour emmener 35 élèves aux États-Unis, avec juste 500 euros donnés par chaque élève, nous avons beaucoup d'argent à récupérer. Donc grâce à vous, ce projet sera réalisable. Pour ce voyage, les élèves permettent de récolter, avec leur subvention, 17 000 euros. Mais pour ce voyage, vous êtes sûr là? Vous êtes sûr? Ah non, 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 c'est ça. C'est ça? On est dans la merde, on est dans la merde. Bon. Nous avons besoin donc de 43 000 euros. Nous avons réussi à récolter 17 000, donc cela nous fait 25 000 euros à récolter. Bon, nous avons plusieurs systèmes. Nous avons le sponsoring, donc quelques entreprises et des mairies qui peuvent nous sponsoriser, et aussi des actions comme du chocolat, des paquets cadeaux, excusez-moi, je réfléchis parce que 43 000 euros va quand même choquer. Bon, donc le paquet de chocolat. De chocolat. Je suis fatigué. Aidez-nous, s'il vous plaît. Dieu Ulule, je vous implore. S'il vous plaît. Aidez-nous. Plus que 3 000 euros.